Merci, chers amis, à chacun d'entre vous pour vos contributions et pour la richesse des interventions de ce matin. La contribution à ce débat que nous pouvons, que nous devons qualifier de citoyens. Citoyens, car les implications sociales et économiques de l'allongement de la durée de vie sont multiples. Elles obligent à repenser les liens générationnels, nos indicateurs économiques et de création de valeur, et jusqu'à la société tout entière et le rôle de chacun dans celle-ci. Citoyens, c'est un débat dans lequel Bayard s'est engagé dès les années 70 en aidant les premières traités à imaginer leur vie autrement que comme une attente de la fin. Être présent lors des passages de la vie, c'est une de nos raisons d'être et probablement une raison d'être très forte pour nous, car ces passages ont toujours une résonance intime. Celui de la retraite, dès lors qu'il ouvre sur une perspective d'une vingtaine d'années, voire plus, au-delà du travail rémunéré classiquement, prend pour chacun d'entre nous une dimension existentielle. Que faire de ce temps? Quelle utilité trouver après celle de l'entreprise sous toutes ses formes? Comment se définir? Ce sont des questions qui touchent à nos identités, au même titre qu'un jeune qui doit faire ses choix d'orientation à l'orée du bac. Bayard, en tant qu'éditeur, est décidé à continuer d'accompagner ce temps de vie, ce temps de seconde vie, comme l'évoque le philosophe François Julien, pour qu'elle soit plus dense et la plus féconde possible, et que cette fécondité soit reconnue par la société tout entière. Chers amis, merci. Merci à Sybille Lemaire d'avoir initié et accompagné les premiers pas du Club Landois. Et nous allons réfléchir à la suite et comment continuer cette aventure dans les années à venir. Merci à vous tous qui avez permis que ce travail existe et merci surtout pour la suite que nous allons inventer tous ensemble. Voilà, très bonne journée.